19h et tu es fidèle au rendez-vous, c'est magnifique. Je prends ma grosse voix exprès pour faire une belle intro, genre radiophonique. Il faudrait un jingle derrière. Je pourrais avoir un jingle? Non, ok. Bah oui, c'est le live, hein. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Donc, bienvenue donc pour un nouveau stream. Ce n'est pas une nouveauté et ça va être bien entendu un schmup. Et puis en plus, ça va être un schmup encore vintage. Et oui, je vous rappelle qu'on est dans la malédiction de la lettre S dans la liste alphabétique des schmups. Et dans S, il y a Space. Et dans Space, il y a 23 jeux différents. Et quand je dis 23 jeux différents, je suis réellement aimable. Parce que si on enlève les clones et les doublons, il en restait 3, hein, soyons honnêtes. Mais bon, peu avare et sympathique envers la culture, je me fais un devoir de tous vous les montrer pour savoir les petites merveilles que vous pouvez rater de temps en temps, mais surtout ce à quoi vous échappez. Oui, je vous rappelle que les 80s, quand même, niveau shmup, tout le monde s'emballait, tout le monde voulait sortir des jeux vidéo, y compris des gens qui n'avaient jamais abordé le domaine de la programmation de leur vie, quoi. Et donc, en piochant des bouts de code à droite à gauche, en piquant des idées à gauche à droite, ils arrivaient à assembler ce qui ressemblait à un shmup. Premier en date, Space Invader, qui a été vraiment repompé jusqu'à l'abus. Et je pense que ce Space Guerrilla, malgré ses fortes inspirations Guerre des Mondes, parce que ni même niveau visuel, on ne peut pas dire qu'on est allé chercher bien loin, mais c'est joli, hein, c'est joli. Ça va très bien avec la finition cerisier du tabletop. Et donc, il y a peu de chances qu'on tombe sur une perle. Allez, on y va quand même, j'ai pas peur. Alors, il me semble que pour celui-là, j'ai un petit problème et on n'a pas le son. Hein. Ça doit être ça. Il y a une connerie dans le genre, je crois. Il y a un piège, je me rappelle. Vous ne devriez pas avoir l'image, ce qui serait tout à fait normal. Et vous l'avez quand même. Bon, bah, je vais arrêter ce stream. Je voulais mon fail, moi. Je viens pour ça. Alors, Space Guerrilla. Deposit coin, pas tout de suite, mon ami. Fais-moi une démo. Ou alors mets-moi ton merveilleux scénario. Puisque là, si on remplace les blocos par des buildings, on est à peu près bon là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les invaders se font déposer pour envahir réellement? Il faut qu'on éclaire cette situation vite. Et il vient pisser sur ma planète? Attendez, on a bien vu? Moi, je relaisse la démo là. Donc, Space Guerrilla, c'est l'histoire d'envahisseurs qui viennent sur Terre. Parce que, apparemment, ils ont un problème de spatio-chiottes. Et ils viennent donc se soulager sur Terre, les gars. Ben, on va regarder la démo encore, hein, mais j'ai pas halluciné. Il y avait quoi dans ce cigarette? Ouais, non, c'est ça. L'autre, il descend. Tranquille. Ah, il se barre cette fois. Ah, ben non, il revient. Un blagueur en prenant. Et là, il pisse sur notre planète, les gars. Ça va pas se passer comme ça. Allez, extermination, c'est parti. Non, non, mais. Les envahisseurs, tu sais, tu leur laisses ça, ils te prennent ça, quoi. Bon, tradition. Oh là là, oh là là, oh là là, mais c'est carnival. Donc, on a. Ils ont repris le principe fête foraine à la carnival, ils l'ont greffé avec le gameplay de Space Invader. Et moi je suis. Je suis quoi? 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 C'est exactement ça, je suis quoi? Ah, ça va mal se passer tous les jeux, je pense. Eh oui. Piu piu piu, revenez, bande d'envahisseurs. Il est où celui qui voulait pisser? Moi, je suis là uniquement pour ça. C'est celui qui voulait pisser. Il va passer un sale quart d'heure. Ah mais moi je vous le dis. Il est hors de question que je laisse des envahisseurs mal éduqués. Saloper ma planète, quoi. On le fait déjà très bien nous-mêmes. Oula. Ouh, t'es vénère. Ouh, que t'es vénère, t'es colère. Toi, tu as la tête de celui qui va venir pisser sur ma pelouse, c'est ça? Non, mais c'est moche quand même de reprendre le principe de Carnival et Space Invader pour faire ça, c'est. C'est. Je suis quoi? Je l'ai déjà dit. Oui, je suis quoi. Je suis quoi. D'ailleurs, je vais faire tout la fin du stream, ça va être des quoi. Le couillon dit quoi? Quoi? En tout cas, les décors sont vachement bien. Hein. Puis là, ils sont pas du tout dangereusement prêts. Je ne risque absolument rien, regarde. Hop, tranquille, hop, je vais me cacher. Oui, bah,
Rentrez chez vous, les nazes. Non, je me cache, vous êtes les. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que toujours pas de pissou sur la pelouse. Et ça, c'est une fucking. Mais il est bourré, lui. Go. Ok, go. Ah, d'accord. Si ça touche, c'est mort. Ok. C'est. Mode kamikaze, quoi. On a les 5 minutes, là, les gars, non? Laisse-moi voir le compteur. Ouh là là, 5,27. Bon, ce jeu va directement aller au grenier dans la malle archive, hein, puisque à part l'archiver, je vois pas trop ce qu'on peut le faire jouer dessus. C'est pas vraiment le terme approprié, quoi. C'est le fun à ses limites et une telle variété de gameplay, c'est-à-dire cette phase plus la phase de l'excité là. Non, non. Même en forçant un peu, non, non, non. Puis l'autre, il vient de le, ça passe à travers, tranquille. Comme il est vénère! What the? Je sens qu'il va pisser sur ma planète. Il va le faire, je le sens. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce merveilleux Space Guerrilla, qu'on oubliera bien vite lui aussi, puisque pff, malgré la tentative d'originalité, ça s'est soldé par un fiasco général. On n'a pas eu les sons, mais franchement, je pense que c'est un bien. Je vous laisse avec les deux playlists usuelles et je vous donne rendez-vous à demain 19h. Ciao. Space Guerrilla. Plus jamais.